passe, la journée se passe, repasser poussière, y a toujours à faire, repas solitaire, un point de repère, la maison si nette, qu'elle est toute suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans personne. D'hiver en automne, ni fièvre et ni froid. Elle est du vieux pain sur son bâton pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Et finalement, le moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son bâton pour attirer les moineaux, les pigeons. Des crèmes et des bains qui font la peau douce, mais ça fait du bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer, et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sage et possible, sans cri, sans délire, sans inadmissible, sur 10 ou 20 pages de photos banales, bilan sans mystère, d'années sans lumière. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale. Mais finalement de moins d'un pire banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étale.